c'est un mec qui rend, il va dans la pharmacie, il va chercher 10 préservatifs avec les différents goûts, comme ça. Et sa femme rentre de son boulot, c'est après fatigué. C'est du chaud, ça va, ça a été une zone d'abusé, tu sais, tout le monde qui fait ça. Bon, Jean-Marc, il le fait pas. Hein? C'est juste non, ça. Oui, c'est juste, bien. Moi, si je le fais, pas, je vais m'en gueuler de haut, moi. J'ai oublié ce bisou. Enfin, bref, j'ai oublié ça en place. Et ces mecs tout s'y rendent, tu l'aimes bien, t'as l'air excité. Ah, je t'ai cherché 10 préservatifs à la pharmacie. Hein, pour que faire, elle fait. Bah, écoute, j'ai eu l'idée ainsi, je pensais les enfiler et tu devrais retrouver le goût. Oh, c'est pas con, mais ça mettrait du piment, hein, pourquoi pas. On essaie avec ça quand tu veux. Bah, viens, on y va maintenant, elle fait. Mais fille éclair, quoi. Ouais, mais fille éclair, mais c'est quand mettre les volets. Ah ouais. Ah, ça marche, si tu mets les volets et tout, ils se déshabillent, ils se mettent en route. Puis au moment de commencer à mettre les préservatifs, la femme, elle étale la lampe, ce qui fait fort noir. Le mec allume la lampe, parce qu'il faut qu'il voit comment le mettre. Et la femme, elle dit, attends, je vais éteindre la lampe, sinon ça a déjà un peu triché qu'elle fait, je vais déjà voir la couleur. Et... Ah ouais, moi, ça. Ouais, ça marche, elle étale la lampe, il fait bien là, ça va, il fait bien là, ouais, ok. L'autre, il essaie de déjà mettre des préservatifs. Puis à un moment donné, il entend, Roquefort, elle met, bah toi, j'ai pas compris le préservatif.